Voici votre édition du 7 mars 2018 de La Revue en 5 minutes. Cette semaine, une infirmière en devenir sauve la vie de son beau-père terrassé par un infarctus. Les hausses de rémunération pour les membres du conseil de la MRC Les Moulins font grandement réagir. Et les députés Luc Thériault et Michel Boudrias se confient sur la crise qui secoue le Bloc québécois. Ici Jean-Marc Gilbert, journaliste pour La Revue. Marianne Corbeil-Damour, une future infirmière de Terrebonne, ne s'attendait pas à devoir pratiquer des manœuvres de réanimation sur son beau-père lorsque celui-ci a été terrassé par un infarctus tôt le matin du 23 février. Grâce à son intervention rapide, elle est parvenue à sauver la vie de l'homme sans que celui-ci ne conserve aucune séquelle. Lisez notre entrevue réalisée avec Marianne et son beau-père en page A3. Les hausses de rémunération pour les membres du conseil de la MRC Les Moulins, dont l'augmentation de 575% accordée au préfet suppléant, n'ont pas fini de faire réagir. Les partis d'opposition qualifient la hausse de gênante et de scandaleuse, tandis que le cabinet du maire explique que le tout s'inscrit dans une révision en profondeur du mode de rémunération des élus. Le résumé complet se trouve en page A4. Découpez le coupon dans La Revue pour profiter du buffet du Château de la Lune, 2 personnes pour 22 $ le midi ou 35 $ le soir jusqu'au 15 mars. À la suite de la démission de 7 députés du caucus bloquiste, les députés Luc Thériault et Michel Boudrias sont formels. C'est d'abord et avant tout une crise de leadership et non de personnalité qui fait rage au sein de la formation politique. Tous deux disent avoir tout tenté. Ils confirment par contre vouloir poursuivre leur travail de défense des intérêts des Québécois et des citoyens de Montcalm et de Terrebonne. Les détails à lire en page A8. Présenté la semaine dernière, le budget fédéral 2018 est loin de satisfaire la classe politique locale. Alors que les députés fédéraux Luc Thériault et Michel Boudrias déplorent l'absence de mesures concrètes destinées aux Québécois, les maires de Terrebonne et de Mascouche regrettent le manque d'investissement sur le plan des infrastructures. La chronique culturelle vous est présentée par la Société de développement culturel de Terrebonne qui vous invite à découvrir à l'année la Maison Bélisle, l'Île des Moulins et le Théâtre du Vieux-Terrebonne. Figure importante du monde musical, André Gagnon sera au cœur d'un concert relatant son parcours artistique. Les 4 saisons d'André Gagnon se veulent un mélange de 2 univers de l'artiste, soit la musique classique et la musique populaire. Le spectacle, qui sera à l'affiche au Théâtre du Vieux-Terrebonne le 17 mars, regroupera 5 musiciens, dont le directeur musical, arrangeur et pianiste de Terrebonne Stéphane Aubin, ainsi que la comédienne et chanteuse Kathleen Fortin. Le Festival de la Francophonie des Moulins, le MO, proposera du 19 au 25 mars une semaine d'activités durant laquelle la population pourra célébrer la langue de Molière. Poésie, chansons, écriture, conférences, contes, karaoké, 7 calés, artisanat et théâtre, il y en aura pour tous les goûts. Découvrez toute la programmation du festival en page B3. Le premier ministre du Québec, Philippe Couillard, reconnaît l'ampleur du problème de la congestion routière qui affecte les citoyens de la couronne nord de Montréal, notamment à Terrebonne et à Mascouche. Les travaux sur le site du nouvel aérodrome Les Moulins sont une nouvelle fois suspendus jusqu'à l'audition des parties à la suite d'un jugement provisoire rendu par la Cour d'appel le 2 mars. Les parties seront entendues ce mercredi. Un homme de 18 ans et une femme de 20 ans ont été arrêtés pour fraude et supposition de personnes le 5 mars pour avoir tenté de faire activer des comptes cellulaires avec de fausses pièces d'identité aux Galeries Terrebonne. À compter de septembre prochain, les étudiants du Cégep régional de Lanaudière à Terrebonne pourront entreprendre un baccalauréat en sciences comptables qui sera offert par l'Université du Québec à Trois-Rivières. Carl Miguel Maldonado, un mascouchois de 26 ans, figure parmi les participants de la 6e saison de La Voix. Le jeune homme, qui a interprété Photograph d'Ed Sheeran, guitare à la main, poursuivra l'aventure dans l'équipe de Garou. Ce week-end se déroulera la 9e édition de 25 heures de hockey au Centre d'excellence Sport Rousseau à Boisbriand. Les profits de l'événement vont à Leucan Laurentier de Lanaudière, Uniatox et au Fonds d'études des joueurs de l'Armada de Blainville-Boisbriand. Avec l'arrivée du mois de mars, commencent à germer les grands projets du printemps. Pour vous donner des idées et des conseils pour vos projets de rénovation et mieux connaître les pros de la région pour vous y accompagner, consultez notre cahier spécial cette semaine dans La Revue. C'était votre édition de La Revue en 5 minutes du 7 mars 2018. Découvrez aussi cette semaine notre cahier spécial soulignant la Journée internationale de la femme. Bonne lecture!